Voilà, donc d'emblée, nous allons rapidement prendre les Écritures dans le livre de Psaume. Nous parlons bien sûr de cette coupe de la colère de Dieu. Nous avons parlé de de trois premières coupes. Voilà, et ce soir, nous allons parler sur le déversement de la quatrième coupe. Nous allons d'abord lire ce passage d'abord dans Apocalypse 15. Apocalypse 16, pardon, Nico, merci. Les versets 8 et 9. Voilà. On va y arriver. Gloire à Dieu. Apocalypse 16, versets 8 à 9. Ensuite, le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Alors, je ne sais pas si les gens entendent, hein, parce que je n'ai pas de retour ici. Je pense que ça doit être bon. De OK. sorte que les hommes furent brûlés par de grandes chaleurs et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a puissance sur ses fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Voilà. Et ça, c'est terrible, mes amis, la mort par la chaleur. Et nous allons développer cet enseignement. Mais on va lire aussi Apocalypse 14. Et à partir du verset 10, et Apocalypse 14, à partir du verset, on va commencer à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Voilà. Qui sont ceux qui vont boire hein, les sept coupes de la colère de Dieu? Donc, vous allez avoir un éclairage aujourd'hui. On en a parlé hier, je pense, et aujourd'hui, on va encore bien expliquer. Cela. 14, verset 8. Et un troisième ange les suivit, disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera d'âge en âge, et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici est la persévérance des saints, ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Wow. Mes amis, nous apprenons, ça on le savait déjà, hein, vous le savez déjà, mais c'est toujours important de le souligner, de le répéter. Et on nous dit que ceux et celles qui vont boire le vin de la colère de Dieu sont ces hommes et ces femmes qui ont la marque de la bête, ont l'image de la bête. C'est-à-dire tout simplement les idolâtres. On en a parlé hier longuement. Il est question du jugement de Dieu sur les idolâtres, sur l'idolâtrie. Et nous craignons de plus en plus, mes amis, Dieu, parce que il se manifeste, n'est-ce pas, de plus en plus, notre Dieu, et en ce temps de la fin, au travers de toutes ces catastrophes naturelles, de toutes ces personnes qui meurent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de morts, de plus en plus de gens qui meurent. C'est impressionnant. Notre génération connaît, mes amis, des taux très très élevés hein, de personnes qui meurent suite à différentes maladies, des catastrophes naturelles, des guerres, de la famine. Il y a beaucoup beaucoup de raisons pour lesquelles, mes amis, les hommes meurent. Et c'est la mort n'a jamais été aussi près, hein, aussi proche des hommes que dans notre génération. C'est quand même assez impressionnant. Alors, on nous dit que ce sont les adorateurs hein, de la bête qui vont être jugés. Et croyez-moi, nous sommes dans cette génération où beaucoup, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chrétiens sont devenus idolâtres. En parlant d'abord du christianisme. Bien sûr, dans le monde, on voit les idolâtres. Hein, et le Seigneur nous dit justement dans Jean 4 que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Donc s'il a parlé des vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. Tout homme est adorateur. Tout homme est adorateur. Si ce n'est pas son corps qui va adorer, c'est l'argent. Ça va être l'argent, ça va être la nourriture, ça va être les biens de ce monde, ça va être même son pasteur, son prédicateur, ça va être un bâtiment d'église, ça va être l'église dans ça qui prie chez lui, ça va être l'église de maison, ça peut être n'importe quoi, des vêtements, tout ça. Donc on sent que
la parole de Dieu. Nous voyons que la parole de Dieu est vraiment digne de confiance parce que, et voilà, il y a de plus en plus d'adorateurs de la bête. Voilà. Et on va prendre le verset 20, Apocalypse 14, à partir du verset 17, pardon. Apocalypse 14, à partir du verset 17. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressant d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Je te faucille, jette ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille tranchante sur la terre et vendangea la vigne de la terre. Et il jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sorti de la cuve jusqu'au mort des cheveux sur une étendue de 10 600 stades. Waouh! Alors nous apprenons que les 7 coupes de la colère de Dieu sont remplies de vin. C'est du vin que les gens vont boire, du vin, voilà. Et alors, vous voyez, il y a plusieurs coupes, hein, il y a plusieurs coupes. Et ce sont, donc d'abord, les 7 coupes nous parlent de la colère de Dieu, hein, dans son paroxysme, dans son apogée. Et il y a aussi la coupe de la prostituée qui est aussi remplie de vin, le vin de la débauche. Vous voyez, il y a le vin de la colère de Dieu et il y a le vin de la débauche que l'Église apostate fait boire aux hommes. Et on va en parler, ne vous inquiétez pas, tout au long de ces enseignements. Et voilà, parce qu'on découvre vraiment beaucoup de choses, hein, en travaillant ce livre, en lisant ce livre, en enseignant sur ce livre. Et on s'aperçoit que le Seigneur nous apprend beaucoup de choses que nous ignorions, qu'on ignorait tout ça. Et on apprend qu'il est question du vin. Le vin, c'est-à-dire Dieu va déverser ce vin sur les hommes. Et regardez d'abord Yeshua, notre maître, dans Matthieu 26-39. Matthieu 26, à partir du verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se prosterna le visage contre terre, priant et disant « Mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. » Voilà. Jésus nous dit ici, hein, a demandé à son Père, Yeshua, homme, qu'il éloigne de lui, s'il était possible, la coupe qu'il devait boire. Et rappelez-vous bien que Jean aussi devait, Jean et Jacques, les apôtres, ont aussi bu cette coupe. Eh bien, mes amis, il est question de la croix. La croix, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Eh bien, ce sont les exigences de la justice divine qui ont été satisfaites. C'est-à-dire, comme la parole le dit dans Isaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur. Donc, il est question ici de la colère de Dieu. Parce que Dieu est tellement juste, Dieu est tellement saint, que lorsqu'un homme pêche, il doit subir les conséquences. C'est la loi du talion. Tu creuves l'œil de quelqu'un, l'œil droit, par exemple, l'œil droit, on doit t'en crever un. Hein, tu crées l'œuvre droit, tu casses la main de le bras de quelqu'un, le bras droit d'un homme, on doit aussi te casser ton bras droit. Voilà, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu est juste. Tu voles le bœuf de quelqu'un, on vole aussi ton bœuf. Et là, le Seigneur Jésus-Christ se retrouve face à une coupe. Ce n'est pas la coupe, mes amis, la coupe de l'alliance ici. Là, c'est la coupe du jugement. Voyez, ce n'est pas la coupe du repas du Seigneur que tout le monde peut boire. Parce que les hommes n'ont pas porté le péché de l'humanité comme Yeshua l'a fait. Notamment le péché de ses enfants, de ses serviteurs, ses servantes. Donc il y a plusieurs coupes. Il y a la coupe de la colère de Dieu. Il y a la coupe de la prostitution, de la prostituée de l'église apostate dont il est question dans Apocalypse 17. Il y a la coupe de l'alliance entre Dieu et les hommes, la nouvelle alliance. Le repas du Seigneur, le sang de Jésus, la vie éternelle.
Et là, le Seigneur ici se retrouve face à une coupe, c'est-à-dire la croix. La croix, eh ben, c'est sur la croix, il y a eu le jugement de Dieu. Yeshua a pris tous nos péchés et il a été jugé. Le jugement est tombé sur lui, la colère de Dieu est tombée sur lui et il a été, mes amis, justifié parce que son sang était pur. Mais il a subi la mort. Quelqu'un est mort à notre place. Quelle grâce! C'est ça la colère de Dieu. Et mes amis, le Seigneur nous dit que cette coupe est remplie de vin et les gens vont le boire. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 51, le verset 17. On va voir ce que ce vin provoque, le vin de la colère de Dieu. Avant de vous montrer les statistiques des personnes décédées à cause de la canicule, à cause de la chaleur. Ésaïe 51, à partir du verset 17. Réveille-toi, réveille-toi. Lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de Yahvé la coupe de sa fureur. Tu as bu, tu as sucé la lie de la coupe d'étourdissement. Voilà. Donc, vous voyez ici que Dieu dit que Jérusalem a bu de la main de Yahvé la coupe de sa fureur ou de sa colère. Donc, vous voyez bien que, mes amis, même Jérusalem n'était pas épargnée. Même Jérusalem. Donc, l'histoire de la coupe de la colère de Dieu ou des coupes de la colère du Seigneur n'a pas débuté avec l'Apocalypse, avec Jean. Bien avant que Jean ne naisse, Dieu faisait boire aux hommes ces coupes de la colère divine. Et Jérusalem, mes amis, n'était pas épargnée, bien qu'étant la ville du grand roi. Oh oui, mes amis. Et nous sommes dans le livre de toujours Ésaïe 51, versets 21 et 22. Qu'est-ce qu'on y lit? C'est pourquoi écoute maintenant ceci, ô affligé, ivre, mais non pas de vin. Ainsi parle Yahvé, ton Seigneur et ton Dieu, qui plaide la cause de son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la lie de la coupe de ma fureur, tu n'en boiras plus désormais. Car je la mettrai dans la main de ceux qui t'ont affligé et qui disaient à ton âme, courbe-toi et nous passerons. C'est pourquoi tu as exposé ton corps comme la terre, comme une rue pour les passants. Waouh ! Dieu dit, mes amis, que Jérusalem était ivre. Ah oui, quand on boit cette coupe, on devient ivre. Comme la coupe de la prostituée qui enivre les hommes de ce monde. La coupe de la colère de Dieu, quand on la boit, on devient ivre. Ça veut dire quoi, mes amis? Écoutez très bien ce que je veux dire, ce que Dieu veut nous partager. Ça veut dire que quand Dieu juge quelqu'un, quand la colère de Dieu tombe sur une personne, et très souvent, la personne devient tellement ivre qu'elle va même refuser de se repentir. Elle va, au lieu que la personne se repente, très souvent la personne va encore tomber dans toutes sortes de travers. Et l'on se pose des questions, mais comment cela est-il possible? Ce pasteur avait bien commencé. Comment ça se fait qu'il tombe si bas? Comment ça se fait qu'au lieu de se repentir, il devient de plus en plus méchant, de plus en plus éloigné de la sainteté, de la vérité? Comment ça se fait? Ben oui. Ben, le pasteur qui a bien commencé a été jugé par Dieu parce qu'il est tombé dans un péché et qu'il n'a pas voulu se repentir. Eh ben, il devient pire qu'avant parce qu'il est jugé. Il est ivre. Il tombe avec une femme. Au lieu de se repentir, ben, il va en avoir plusieurs et à gauche, à droite. Et c'est comme ça. C'est pour cela que la parole nous dit justement que les imposteurs iront en empirant. C'est terrible, mes amis. L'ivresse liée à la colère de Dieu, l'ivresse liée au déversement de la coupe de Dieu. Oh, que Dieu nous garde, que Dieu me garde. Ça fait trembler, mes amis. Et quand on devient ivre à cause de la colère de Dieu, eh ben, on est touché par l'esprit d'égarement, parce que là, ben, la personne va commencer à se comporter comme si elle a perdu le sens. Et Romains 1 nous dit que Dieu les livre à leur sens réprouvé. Dieu va les livrer à leur, n'est-ce pas, comportement animaux,
à leur à des agissements animaux, tout ça, parce qu'ils sont ivres, parce qu'ils sont ivres. Et vous ne pouvez pas, mes amis, raisonner une personne ivre. Ce n'est pas possible. C'est une personne qui peut commencer à crier, à se déshabiller, à se comporter n'importe comment, parce que c'est une personne qui n'est plus en mesure, mes amis, de percevoir la vie comme une personne sensée. Une personne ivre est une personne qui n'est plus, mes amis, en mesure de contrôler même son corps, son environnement. Elle n'est plus consciente de son environnement, des personnes qui l'entourent. Voilà. Elle peut se noyer, elle peut se jeter dans les rails d'entrain, elle peut, mes amis, blesser les autres, parce qu'elle est tout simplement ivre. Ivre, pourquoi ? Parce que la personne a bu la coupe de la colère de Dieu. Waouh ! C'est pour cela, mes amis, Dieu ne se met pas en colère n'importe comment. Il est très patient, parce qu'il sait que si sa colère se déchaîne et que les hommes boivent le vin de sa colère, c'est fini pour eux. C'est pour cela que la parole nous dit qu'il use de patience. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Pourquoi Dieu est-il lent à la colère? Parce que comme je vous l'ai dit, quand sa colère se déchaîne, c'est fini. Et nous, c'est vrai que même quand les hommes nous font du mal, parfois on se dit, Seigneur, mais où est ta justice? On a l'impression que Dieu n'agit pas, que Dieu les laisse faire. D'ailleurs, c'est pas, même Jérémie l'a dit. Jérémie l'a dit dans Jérémie 12. Il dit, mais pourquoi Dieu, les méchants, prospère-t-il? Même Asaph, dans Psaume 73, l'a dit. Quand j'observe les méchants, disait-il, j'ai l'impression qu'ils avancent plus que moi, et moi je n'avance pas, alors que je me sanctifie. Et Dieu, c'est comme si Dieu les bénit plus que moi, alors qu'ils sont dans le péché. Et même les enfants d'Israël, dans Malachie 2, ils se sont plaints également en disant, nous estimons heureux les méchants. Ils se moquent de Dieu et ils sont établis. Et Dieu nous dit la parole, Dieu va ouvrir un livre de souvenirs. Donc, il n'y a pas que vous qui vous plaignez, n'est-ce pas, de ce que des gens qui pêchent, qui vous blessent, qui font n'importe quoi, sont toujours en bonne santé, prospèrent, avancent, et vous qui craignez Dieu, vous pleurez, vous souffrez et vous vous posez la question, mais pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi Dieu laisse-t-il ces gens avancer? Et c'est vrai que c'est la question, même moi qui vous parle, que je me pose la même question. Mais, mes amis, la parole est claire, Dieu est lent à la colère. Parce que quand il se déchaîne, quand sa colère se déchaîne, mes amis, il n'y a plus rien à faire pour les personnes. C'est pour cela qu'il prend son temps pour amener les personnes à la repentance. Et là, Dieu dit à Jérusalem, n'est-ce pas, qu'elle ne boira plus la coupe de sa colère. Et il dit, n'est-ce pas, il dit à Jérusalem, il dit, ainsi parle Yahweh ton Seigneur et ton Dieu qui plaide la cause de son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement. Vous voyez, les gens sont tellement étourdis. D'ailleurs, il a dit dans Zacharie 12 qu'il fera de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour toutes les nations d'alentour. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Donc, pour juger les nations qui sont autour de Jérusalem, Dieu place cette ville-là. Dieu protège cette ville et les gens sont comme étourdis. Et quand on est étourdi, on va faire la guerre sans cesse à Israël. On va l'attaquer, on va s'exploser, tout ça. Parce qu'il y a comme un étourdissement. Donc, c'est terrible comment Dieu peut agir, mes amis. Il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Voilà. Et moi, le premier, on se repent que Dieu nous garde, qu'il nous protège, et parce qu'il est Dieu. Et nous voulons vraiment trembler dans sa présence parce qu'il n'est pas seulement le Dieu d'amour, il est aussi le Dieu juste, selon Nahum, le Dieu qui, mes amis, réserve sa colère pour ses ennemis. Waouh! Et Dieu dit, tu ne la boiras plus, car je la mettrai dans la main de ceux qui t'ont affligé. C'est fort. Hein? Et ceux qui ont affligé Jérusalem, c'est d'abord Babylone. Voilà pourquoi les sept coupes de la colère de Dieu sont déversées sur la terre, sur Babylone. Et nous sommes dans Psaume chapitre 11, verset 6. Psaume chapitre 11, verset 6. Qu'est-ce que la parole nous dit ici?
Psaume chapitre 11, le verset 6. On peut même commencer à partir du verset 5. Verset 5. Yahvé sonde le juste et le méchant, et son âme est celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Waouh! C'est le calice, hein, ou encore la coupe, hein, qu'ils ont en partage. Et quel est, dans quoi, dans cette coupe-là, il y a quoi? Dans ce calice-là, eh bien, des charbons, du feu et du soufre. Et aussi un vent violent. Donc, il est question ici du soleil qui va brûler les hommes. Ça, c'est, mes amis, la quatrième coupe. Et donc, vous voyez bien que Jean, quand il parle de cette coupe de la colère de Dieu, il s'était appuyé sur les écritures qu'ils avaient déjà à l'époque, notamment le Tanakh et les psaumes, notamment le psaume 11, 6 que nous venons de lire. Et Dieu va faire pleuvoir sur les méchants. Et les méchants ici, on peut y voir aussi le méchant, c'est-à-dire l'antichrist. On l'appelle aussi le méchant. C'est-à-dire Dieu va faire pleuvoir sur lui et sur son royaume. Cette coupe-là, mes amis, comme vous voyez, on nous parle de la pluie sur les méchants. Il va faire pleuvoir. Donc il est question du vin, comme de l'eau, mes amis. Cette chaleur-là qui va tomber sur les hommes. Et c'est terrible. Nous sommes dans Psaume, chapitre 60, verset 3. Psaume 60, à partir du verset 3. « Ô Dieu, tu nous as rejetés, tu nous as dispersés, tu t'es irrité, reviens vers nous. Tu as ébranlé la terre et l'as mise en pièces. Répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vain étourdissement. Ah ! Mais tu as donné une bannière à ceux qui te craignent, afin de l'élever bien haut pour l'amour de ta vérité. » Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Ben oui, c'est ça la coupe de Dieu, de la colère. Les sept coupes de la colère de Dieu, c'est du vin d'étourdissement. Voilà. Bon, c'est pas du vin physique. C'est-à-dire des jugements qui se traduisent par la température qui augmente, par la mort des êtres marins, comme on en a parlé hier lors de la, n'est-ce pas, deuxième et troisième coupe. Et vous voyez, c'est terrible ce qui se passe. Et les enfants d'Israël avaient goûté à cette colère. Et nous, dans nos églises, on nous parle tellement de Dieu d'amour. Il est tellement bon Dieu. Il est amour. On vous a tellement présenté un Dieu d'amour au point où vous avez oublié qu'il est juste, qu'il est aussi le Dieu qui se met en colère. Cet aspect de la colère de Dieu n'est pas connu dans beaucoup d'églises parce que les gens se disent, ben voilà, on vous a présenté le diable, on vous a présenté un faux Dieu. C'est pour cela que beaucoup ne craignent pas le Seigneur. C'est pour cela que dans nos églises, il n'y a plus la crainte de Dieu parce qu'on vous a présenté un Dieu light. Un Dieu gentil, comme si la gentillesse était un fruit de l'esprit. On ne parle pas de Saphira et Ananias qui ont été frappés par Dieu. On ne parle pas d'Hérode qui a été frappé par Dieu. Mes amis, on ne parle même pas de Paul qui avait un démon qui le fouettait chaque jour pour qu'il reste humble. Mes amis, Dieu, on ne joue pas avec lui. On nous a tellement parlé de la grâce que la grâce est devenue, mes amis, un moyen, un prétexte pour beaucoup, pour vivre dans le péché. Et regardez ce que Ecclésiaste 8, 11 nous dit. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Ecclésiaste chapitre 8. Verset 11, qu'est-ce que la parole nous dit? Ecclésiaste 8, à partir du verset 11. « Parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement, à cause de cela, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux de l'envie de faire le mal. » Ah, parce que Dieu, littéralement, parce que Dieu ne juge pas tout de suite les gens qui commettent le péché en général,
eh bien, leur cœur se remplit encore du désir de péché. Parce qu'ils se disent, eh bien, nous avons péché, nous avons volé, nous avons tué, et Dieu ne nous a pas jugés. Et le verset qui suit dit quoi ? Car bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi qu'il y aura du bonheur pour ceux qui craignent Dieu et qui révèrent sa face. Et le verset 12, 13. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera pas ses jours plus que l'ombre parce qu'il n'a pas de crainte devant Dieu. Ah ! Voyez ? Et c'est ça ! C'est ça, mes amis. Donc, les gens pêchent, ils voient que Dieu ne frappe pas. Ils se disent, bon, on va continuer. Et pendant qu'eux, ils continuent, les vrais chrétiens, ceux qui craignent Dieu, ils se disent, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, il n'est pas comme nous, c'est vrai. Et moi-même, je m'aperçois que je ne fais que découvrir Dieu. Et quand on pense le connaître véritablement, on sait que c'est Jésus-Christ. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Seigneur, garde ton cœur. Et nous sommes dans Psaume 75, le verset 8. Psaume 75, à partir du verset 8. Car c'est Dieu qui gouverne, il abaisse l'un et élève l'autre. Il y a une coupe dans la main de Yahvé, et le vin en rougit dedans. Mmh. Il est plein de mélange. Et Dieu en verse. Certainement, tous les méchants de la terre en suceront et en boiront jusqu'à la lie. Waouh ! Et le psaume ici nous rappelle en fait qui gouverne. Parce que parfois on oublie. Parfois les hommes oublient qui gouverne la terre. Et le psaume ici nous rappelle qui gouverne. Car c'est Dieu, c'est-à-dire Elohim, qui gouverne. Il abaisse l'un et élève l'autre. Et le verset 9 nous dit, il y a une coupe dans la main de Yahweh. Et la main de Yahweh ici, bien sûr, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui gouverne. Il y a une coupe dans la main de Yahweh et le vin rougit dedans. Il est plein de mélange et Dieu en verse. Certainement, tous les méchants de la terre en suceront et en boiront jusqu'à la lie. Jusqu'au fond, jusqu'à la lie. Vous savez, ce dépôt-là qu'il y a au fond de bouteilles, parce que ces bouteilles n'ont pas été secouées. Ça va être terrible, mes amis. Je vous dis là, ça va être terrible. Et souvent, quand je prie, je dis, Seigneur, garde-moi, garde ma famille, parce que je ne veux pas subir les effets de ta colère. Et je, même en enseignant, je demande au Seigneur de nous garder, de me garder, parce qu'il fait ce qu'il veut, mes amis. Il n'a de compte à rendre à personne. Il est terrible. Et les gens pensent que parce qu'ils sont sorciers, parce qu'ils sont dans l'impudicité, dans l'adultère, parce que personne ne les a encore vus, qu'ils ne vont pas être exposés. Frères et sœurs, craignons Dieu. Ce soir, c'est ça le message, c'est la crainte de Dieu. Le tremblement qui doit nous saisir. Parce que il fait boire jusqu'à la lie le vin de sa colère. Oh Seigneur, regardez comment les stars meurent. Regardez comment ces mannequins meurent. Regardez comme cette année, mes amis, le nombre des stars, le nombre de vedettes qui meurent, c'est un signe. Oh Dieu, sauve-nous. Je parle de ce message, j'en tremble. Nous sommes dans Jérémie chapitre 25, versets 15 et 17. On lira aussi le verset 27. Jérémie chapitre 25, à partir du verset 15. Car ainsi m'a parlé Yahvé, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe de vin, à savoir de cette fureur-ci, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils en boiront, et ils chancelleront, et seront comme fous à cause de l'épée que j'enverrai parmi eux. Je pris donc la coupe de la main de Yahvé, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles Yahvé m'envoyait. Waouh !
à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour les mettre en désolation, en étonnement, en opprobre et en malédiction, comme il apparaît aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple, et à tout le mélange des peuples d'Arabie, à tous les rois du pays d'Utz, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron et au reste d'Asdod, à Édom, à Moab et aux fils d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, d'Edan, à Théma, à Buz et à tous ceux qui se coupent les coins de la barbe, à tous les rois d'Arabie et à tous les rois du mélange qui habitent au désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam et à tous les rois de Médie, à tous les rois du nord, tant proches qu'éloignés l'un de l'autre, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et le roi Shéchak boira après eux. Et tu leur diras, ainsi parle Yahvé des armées, le Dieu d'Israël, boyez et soyez enivrés, même vomissez et tombez sans vous relever à cause de l'épée que j'enverrai parmi vous. Buvez, soyez enivrés, c'est terrible, hein, c'est un ordre. Or, il arrivera qu'ils refuseront de prendre la coupe de ta main pour boire, mais tu leur diras, ainsi parle Yahvé des armées, vous en boirez, vous en boirez. Car voici, je commence à envoyer du mal sur la ville sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous, en seriez-vous exempt en quelque sorte? Vous n'en serez pas exempt, car je m'en vais appeler l'épée sur tous les habitants de la terre, dit Yahvé des armées. Tu prophétiseras donc contre eux toutes ces paroles-là, et tu leur diras, Yahvé rugira d'en haut, il fera entendre sa voix de la demeure de sa sainteté. Il rugira contre son agréable demeure, il poussera un cri contre tous les habitants de la terre, comme ceux qui foulent oppressoir. Le son éclatant est parvenu jusqu'à l'extrémité de la terre, car Yahvé plaide avec les nations, et il conteste contre toute chair. On livrera les méchants à l'épée, dit Yahvé. Ainsi parle Yahvé des armées, voici le mal va sortir d'une nation à l'autre et une grande tempête se lèvera des extrémités de la terre. Et en ce jour-là, ceux qui auront été mis à mort par Yahvé seront étendus d'un bout à l'autre, d'un bout de la terre à l'autre bout. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, mais ils seront comme du fumier sur la face du sol. Vous, pasteurs, hurlez et criez. Et vous, les nobles du troupeau, roulez-vous dans la cendre, car les jours pour vous massacrer sont accomplis. Je vous disperserai et vous tomberez comme un vase précieux. Et les pasteurs n'auront aucun moyen de s'enfuir, ni les nobles d'échapper. Il y aura la voix du cri des bergers, les hurlements des nobles du troupeau, parce que Yahvé s'en va ravager leur pâturage. Et les demeures paisibles seront abattues à cause de l'ardeur de la colère de Yahvé. Il a abandonné son tabernacle comme un lionceau, car leur pays est réduit en désert à cause de l'ardeur du destructeur et à cause, dis-je, de l'ardeur de sa colère. Ça va être terrible, mes amis, vous vous rendez compte? Terrible, terrible, terrible. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'expliquer ce verset, vous l'avez entendu. Vous voyez ce qui se passe? Dieu dit, Jérusalem également va boire cette coupe. Et il dit aux nations, si je l'ai fait boire à ma propre ville, à Jérusalem, pensez-vous que vous serez... pensez-vous être épargné? Non. Vous voyez, à la fois Jérusalem et les nations, toutes ces villes ont bu le vin de la colère de Dieu. Les bergers, les pasteurs, tous. Frères et sœurs, c'est grave. C'est terrible. Alors, vous voyez bien que c'est du vin qui rend ivre. C'est du vin qui secoue les hommes. Et là, au déversement de la quatrième coupe, justement, la parole nous dit qu'il va y avoir, que le soleil va recevoir l'ordre de brûler les gens, hein, de brûler les hommes. Et c'est ce que la parole nous dit. Au déversement de la cinquième coupe, pardon, c'est la quatrième coupe. Ensuite, le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu, de sorte que les hommes furent brûlés par de grandes chaleurs et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux
et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Vous vous rendez compte? Je vous disais que quand on est ivre à cause du jugement de Dieu, eh bien, la repentance n'est plus là. C'est fini, c'est terrible. C'est comme à l'époque des enfants d'Israël avec Moïse. Plus Dieu les jugeait, plus ils se rebellaient. Au point où Dieu dit, il y aura seulement Caleb et Josué qui vont entrer à Canaan. Et toute cette génération-là était décimée. Et comme vous le savez, par le Seigneur, c'est terrible. C'est pour cela, prédicateur, pasteur, ancien, prophète, apôtre, il est l'heure que nous puissions venir devant le Seigneur à genoux pour lui demander, mes amis, la grâce. La grâce. Parce que c'est terrible. Quand Dieu juge, quand Dieu frappe quelqu'un, juge quelqu'un, c'est que là, mes amis, là, la repentance, elle n'est pratiquement plus là. C'est pour cela, avant de juger, de frapper, il envoie d'abord des messagers. Il envoie des messagères. Il nous interpelle. Et malheureusement, comme la parole d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11 le dit, parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas tout de suite, promptement, le cœur du Fils de l'homme se remplit du désir de faire le mal. Voilà. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que la colère que tu as, mon frère, ma soeur, que ta déception, que ta situation difficile ne te pousse pas à te rebeller contre Dieu. Parce que il fait ce qu'il veut. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous garde. On va voir quelques images, quelques statistiques des personnes ayant connu la mort suite à des chaleurs extrêmes. Voilà. Alors ici, on nous parle de l'Inde. Hein, donc la chaleur extrême en Inde a fait 1700 morts. Et, hein, on va descendre un peu pour voir s'il y a les écrits là, quelque part. Voilà. Et c'est terrible. Donc, et là, c'est une femme qui couvre son visage pour se protéger du soleil alors qu'elle traverse la rue dans la ville de Hyderabad. Hyderabad. Et donc voilà, la chaleur. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de chaleur. Hein, voilà. Et là, ben, c'est un employé hein, qui fabrique des glaces. Voilà, beaucoup de chaleur. Alors, on va nous montrer un peu la canicule en 2003, là, les statistiques de la canicule en 2003, ce qui s'est passé. Donc, le bilan de la canicule de 2003, ce qui était là, hein, on se rappelle encore de cette époque, de cette canicule qui nous a tous secoués. Donc, le bilan de la canicule de 2003, 70 morts en tout, hein, dans toute l'Europe, dont la France. Donc l'impact sanitaire de la canicule de 2003 en Europe a été européen et voilà, a été étudié via le projet européen canicule soutenu par l'Union européenne et coordonné par l'INC. Voilà, par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Les résultats impressionnants ont été présenté lors du meeting on improving public health, voilà, donc l'anglais, c'est pas trop notre fort, organisé par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, voilà, à Bonn, les jeudi 22 mars et vendredi 23 mars 2007. Voilà, alors il y a eu 70 morts, dont près de 20 000 en France. 70 000 morts, dont près de 20 000 en France, vous vous rendez compte, à cause de juste une petite augmentation de la chaleur, ce n'est encore rien par rapport à ce qui va se passer lors du déversement de la quatrième coupe. Et là, c'est juste un avant-goût, c'est terrible, ça fait mal. Et donc voilà, donc la canicule de 2003 a été à l'origine de 70 000 décès supplémentaires en Europe, dont plus de 20 000 avant le mois d'août. Voilà, et moi pourtant le plus chaud de cette vague de chaleur. Alors la surmortalité a atteint de niveaux exceptionnels au mois d'août en France, mais la France et l'Italie ont totalisé le même nombre de décès supplémentaires au cours de l'été 2003, 19 490 et 20
89 respectivement, commente Jean-Marie Robin en charge de la coordination de ce projet européen. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez terrible hein, de voir toutes ces victimes et, voilà, liées à l'augmentation de la chaleur. Alors, le pays étudié le plus touché fut le Luxembourg, avec une mortalité qui a augmenté de 14,3%, puis l'Espagne avec plus de 13,7%, la France avec plus de 11,8% et l'Italie plus de 11,6%. Voilà, donc le pays étudié qui a été le plus épargné est le Royaume-Uni avec une hausse de mortalité de seulement 0,2%. Et voilà, donc vous voyez bien que c'est vraiment terrible ce qui se passe. Ça, c'est juste, mes amis, une petite augmentation de la température. On va voir autre, s'il n'y a pas d'autres choses, là, d'autres éléments que vous avez pu nous dénicher. Alors là, nous avons voilà, donc les animaux qui sont affectés, qui sont touchés hein, par la, cette vague hein, de chaleur hein, qui de plus en plus fait des victimes. Là, bien sûr, c'est la sécheresse, notamment en Afrique. Vous voyez ces enfants qui sont à la recherche de l'eau potable. Et regardez-moi, mes amis, l'eau qu'ils boivent. Pendant que nous avons de l'eau minérale, de l'eau propre, tout ça. Et regardez certaines nations, certains coins du globe qui sont frappés par des canicules, par des chaleurs extrêmes. Et voilà, comment peut-on boire de l'eau aussi sale ? Sachant que cette eau est contaminée certainement, est remplie de microbes, tout ça, et donc ça va provoquer de choléra, toutes sortes de maladies qui tuent les hommes. Vous voyez, donc l'augmentation de la chaleur a pour effet, pour conséquence, non seulement la sécheresse, mais aussi des incendies. Hein, des incendies et des morts d'animaux, d'hommes. Et voilà, et des forêts hein, comme ici là, des voilà qui sont complètement asséchées, et des bêtes qui meurent, des hommes qui se retrouvent du jour au lendemain sans troupeau, et voilà. Donc là, ben, vous avez des incendies suite à justement à la des chaleurs extrêmes, et donc là nous avons il y a près de 100 000 habitants qui ont été évacués, hein, 2 000 habitations déjà ravagées, hein, l'immense brasier qui a ravagé la ville canadienne de Fort McMurray semble particulièrement difficile à enrayer, au point que la cité pourrait rejoindre la longue liste des grandes villes ravagées par les flammes au cours de l'histoire. Voilà. Donc, bien sûr, on se rappelle de Sodome et Gomorre, que le Seigneur a détruit par les flammes. Donc, vous voyez que l'histoire ne fait que se répéter. C'est certainement l'une des colères divines les plus frappantes du Tanakh avec le déluge. Et effectivement, quand on lit l'histoire de Sodome et Gomorre, eh bien, que s'est passé ? Eh bien, Dieu a détruit ces villes par des flammes. Et vous voyez que l'histoire se répète. Et notre génération est, mes amis, a dépassé, comme vous le savez, de loin les ignominies, les exactions, le mal qui avait affecté Sodome et Gomorre. Voilà, et pendant qu'on montre les images, je veux lire rapidement l'histoire de Sodome et Gomorre. Or, sur le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. D'abord, dans Genèse 18, à partir du 23, et Abraham s'approcha et dit, donc là, c'est Dieu qui se révèle à Abraham et qui lui dit, qui se dit à lui-même, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Voilà. Et Dieu dit justement, au verset 20 de 18 de Genèse 18, et Yahweh dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché s'est fort aggravé. Je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Voilà. Or, sur le soir, les deux anges
arrivèrent à Sodome. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Et il leur dit, « Voici, je vous prie, mes seigneurs, entrez maintenant dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, puis vous vous leverez dès le matin et continuerez votre chemin. » Et ils dirent, « Non, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais il le pressa tellement qu'ils se retirèrent chez lui. Et quand ils furent entrés dans sa maison, il leur fit un, n'est-ce pas, festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnèrent la maison depuis le plus jeune jusqu'au vieillard. Tout le peuple était ensemble. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Fais-les sortir afin que nous les connaissions, littéralement, afin que nous les violions, que nous couchions avec eux. » Vous voyez, ils pratiquaient, mes amis, toutes sortes de choses, hein, le sexe, ils pratiquaient l'homosexualité, tout ça. Mais Lot sortit de sa porte pour leur parler, de sa maison pour leur parler à la porte, et ayant fermé la porte après lui, il leur dit, « Je vous prie, mes frères, ne leur faites point de mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point encore connu d'homme. Je vous les amènerai et vous les traiterez comme il vous plaira. Seulement ne faites pas de mal à ces hommes, car ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils lui dirent, « Retire-toi de là. » Ils dirent aussi, « Cet homme seul est venu pour habiter ici comme étranger, et il veut nous gouverner. Maintenant, nous te ferons pis qu'à eux. » Et faisant violence à Lot, ils s'approchèrent pour briser la porte. Mais les hommes étendirent leurs mains, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les hommes qui étaient à la porte de la maison. Vous voyez, d'abord, Dieu frappe d'aveuglement, vous voyez, hein. Donc ces hommes étaient déjà ivres, hein. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se lassèrent à chercher la porte. Alors ces hommes dirent à Lot, « Qu'as-tu encore ici qui t'appartienne ? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant Yahweh. Yahweh nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit donc et parla à ses gendres qui devaient prendre ses filles et leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car Yahweh va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges pressèrent Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. » Et comme il tardait, ces hommes le prirent par la main et ils prirent aussi par la main sa femme et ses deux filles parce que Yahweh voulait l'épargner. Et ils l'amenèrent et le mirent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi, sauve ta vie et regarde, ne regarde point derrière toi et ne t'arrête en aucun endroit de la plaine. Sauve-toi sur la montagne de peur que tu ne périsses. » L'autre leur répondit, « Non, Seigneur, je te prie. Voici, ton serviteur a maintenant trouvé grâce devant toi et tu as montré la grandeur de ta bonté à mon égard en préservant ma vie. Mais je ne pourrai pas me sauver vers la montagne avant que le mal ne m'atteigne et je mourrai. Voici, je te prie, cette ville-là est proche. Je puis m'y enfuir et elle est petite. Je te prie que je m'y sauve. N'est-elle pas petite? Et mon âme vivra. » Et il lui dit, « Voici, je t'ai exaucé encore en cela. » Et en cela de ne point détruire la ville dont tu as parlé. Hâte-toi, sauve-toi là, car je ne pourrai rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré. C'est pourquoi cette ville fut appelée Tsoar. Comme le soleil se levait sur la terre, Lot entra dans Tsoar. Alors Yahweh fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de la part de Yahweh. Et il détruisit ces villes-là et toute la plaine et tous les habitants des villes et les herbes de la terre. Mais la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » Voilà, c'est terrible. C'est terrible cette histoire, elle est très connue. Le Seigneur dit ce qui arrive à cette époque arrivera de la même, arrivera par, et ce sera la même chose lors de l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arrive à l'époque de Lot arrivera de même lors du retour de Yeshua. Ben voilà, c'est-à-dire l'augmentation du péché. Hein, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, du plus petit au plus grand. Quand on voit des jeunes filles de 16, de 13 ans, 11 ans parfois, qui connaissent déjà une vie sexuelle, eh ben, notre génération, mes amis, a dépassé de loin Sodome et Gomorre. Quand on voit le nombre de pasteurs qui divorcent et qui se remarient, le nombre de chrétiens qui divorcent et qui se remarient, le nombre, mes amis, d'églises qui sont paganisées. J'écoutais encore vite fait, je regardais un peu ce pasteur, le président de la pastorale congolaise en France, qui se permet de dire, n'est-ce pas,
que le musicien qui est décédé, Papa Wemba, était converti, était chrétien. Alors que ce musicien est mort sur scène au milieu de femmes dévêtues, habillées comme des prostituées, dansant, mes amis, comme des véritables sirènes des eaux. Et cet homme qui se dit le président des pasteurs congolais en France se permet de dire que Papa Wemba était un chrétien. Mais de qui se moque-t-on? Vous vous rendez compte, mes amis, ces hommes, ils sont devenus ivres. Et même ceux qui les interviewent, tout ça, ils sont aussi enivrés. Et nous allons développer ces choses-là lorsqu'on va parler, mes amis, de la septième coupe. Parce qu'il sera, au déversement de la septième coupe, Babylone sera jugée. Et là, on va développer de fond en comble Babylone. Et on va montrer toutes ces images-là parce qu'on est fatigué. Fatigué de voir des gens qui osent parler ainsi. Quelqu'un qui fait danser des femmes comme des prostituées. Quelqu'un qui, mes amis, embrasse des femmes. Quelqu'un qui trompe sa femme. Et on ose dire, et qui meurt dans le péché, et on ose dire qu'il était chrétien. C'est la confusion. Et quand je vois des musiciens chrétiens au Congo qui vont, mes amis, parler de cet homme en disant que c'était un frère, un chrétien, des chantres chrétiens. On va parler, on va vous montrer toutes ces images-là pour vous montrer à quel point c'est la confusion, c'est Babylone, le Seigneur n'est plus loin. Il est temps que des voix se lèvent pour annoncer la vérité parce que nous sommes dans un temps de confusion. Le bien est appelé le mal est appelé bien. Oui, nous pouvons avoir de la peine quand les gens décèdent. Ça, il n'y a pas de problème. Mais de là à aller dire que un tel était converti alors que la parole nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, mes amis, de qui se moque-t-on? Voilà. Les températures caniculaires qui étouffent le sud du Pakistan ont fait plus de 1000 morts en 4 jours selon un décompte rendu public jeudi. Les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence dans les hôpitaux pour faire face à la catastrophe. Et ce sont les nations qui sont touchées, bien sûr, mes amis, et ce sont les nations. Donc, voilà, que Dieu nous garde. Et regardez toutes ces images-là, ces personnes, mes amis, emballées comme de la marchandise. Vous voyez à quel point nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Et je dis encore que Dieu nous pardonne, que Dieu nous garde, que Dieu nous amène à la crainte de son nom, à le craindre, chrétien. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Quittez ces assemblées où ces pasteurs ne vous parlent pas de la colère à venir, qui ne vous annonce pas le message véritable, qui ne vous parle pas de l'enlèvement de l'Église, du retour de Yeshua, qui vous disent que vous allez régner sur terre, vous allez être des champions, vous allez être des majestés, vous allez, mes amis, être riches. Quittez ces églises où des pasteurs vous disent qu'il faut être comme Bill Gates, il faut être influent financièrement, matériellement. Quittez ces églises-là, mes amis, où ces pasteurs vous disent que vous devez avoir 2 ou 3 jobs pour gagner beaucoup d'argent et être influent sur terre. On ne peut pas, mes amis, plaire au Seigneur parce qu'on a beaucoup d'argent. On ne peut pas marquer le cœur de Dieu parce qu'on a des richesses, parce qu'on a des belles voitures, des belles maisons. Ce n'est pas ça l'évangile, mes amis. Quittez ces églises-là. Elles sont en train de vous conduire droitement, directement en enfer. Mes amis, priez avec les frères et ceux qui aiment Jésus. Les frères et ceux qui vous disent, mes amis, que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Priez avec ces hommes et ces femmes qui vous parlent de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qui étant le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Quittez ces fédérations d'églises qui, mes amis, autorisent les mariages de personnes de même sexe. Quittez, mes amis, ces bâtiments, ces églises de maison, mes amis, où des femmes sont en train de vous contrôler, de vous sortir des prophéties à tous azimuts. Quittez, mes amis, ces endroits abominables. Fuyez pour aller au ciel. Mes amis, priez avec des frères et sœurs qui sont simples, qui aiment Jésus. Je ne vous recommande aucune église, aucune dénomination. Je ne vous dis pas non plus de me suivre, moi. Je vous dis, suivez ce que la parole de Dieu nous dit. Écoutez la parole du Seigneur, obéissez à la parole du Seigneur. Préparez-vous en famille, en couple, avec vos femmes, vos maris, vos enfants. Craignons Dieu, car Yeshua est en train de revenir, mes amis. L'heure est grave, nous ne faisons que crier. Et nous ne sommes pas là pour dire, un tel, vous devez suivre un tel ou ne pas suivre un tel. Nous sommes là en train de vous dire, frères et sœurs, vérifiez dans la parole ce qu'on vous enseigne. On reconnaît un arbre à ses fruits. L'heure est grave. Nous ne sommes pas, mes amis, désilluminés. Nous sommes en train de vous parler des choses réelles, des choses vraies. Nous sommes, mes amis, arrivés à la fin de temps et les choses changent.
le Seigneur est en train de revenir, il est en train de nous interpeller. Et voilà, donc les météorologues, tout ça nous annonce une augmentation très importante de la température. Et tout ça sur, dans le monde, hein, avec le réchauffement climatique et tout ça. Et on voit sur la carte, regardez sur la carte, les pays qui sont exposés de plus en plus à la chaleur. Et le Seigneur est en train de revenir. Il est en train de revenir, chrétien. Mes amis, il faut se préparer au retour du Mashiach. Nous ne voulons plus de distractions. Nous voulons nous focaliser sur la prophétie biblique. Et le livre d'Apocalypse, qui est le dernier livre, nous annonce notre futur. Et il faut l'étudier pour pouvoir se préparer au retour du Mashiach. L'augmentation de la température provoque aussi de la pollution, de vent de sable, par exemple là au Caire, le 27 mai 2015. Des orages, de plus en plus d'orages frappent le monde. De plus en plus de turbulences, hein, pour ceux qui prennent les avions, vous vous rendez compte que vous êtes certainement rendu compte qu'il y a de plus en plus de turbulences, hein, et tout ça. Donc on sent que le Mashiach est en train de revenir, mais ces coupes seront véritablement déversées pendant la période de la grande tribulation qui va durer 3 ans et demi. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler. Il nous reste encore quelques minutes, 5 minutes au moins, avant qu'on ne clôture, parce que je veux faire des enseignements assez courts pour vous permettre de les diffuser facilement, hein, de les assimiler plus facilement, et que Dieu nous garde. Donc demain, si Dieu nous prête vie, si Dieu le permet, on va parler d'autres coupes, et la semaine prochaine, et parce que voilà, donc le temps, mes amis, est arrivé où nous devons nous préparer. Le temps de la préparation est là. Préparons-nous, le Mashiach revient. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Nous voyez que nous sommes en train de davantage de nous préparer, de crier pour vous annoncer le retour du Mashiach. Alors, bien sûr, ce samedi, nous sommes ici à Évry. Et peut-être, je pense qu'on va voir, je pense qu'on va peut-être dans 2 ou 3 samedis, on va arrêter pour passer à autre chose. Et dimanche, nous sommes à 3. Et le dimanche 15, nous sommes de nouveau à Bordeaux. Hein, on vous donnera, dès demain soir, on mettra le lieu de la rencontre. Et voilà, donc nous voulons partout aller crier que Yeshua revient, que c'est l'heure de se réveiller du sommeil, c'est l'heure de se préparer. Et mes amis, que Dieu nous garde. Nous ne voulons pas être des idoles. Nous dénonçons l'idolâtrie, comme vous le savez. Nous voulons que vous ayez les yeux, que tous ensemble ayons les yeux focalisés sur Jésus-Christ de Nazareth et lui seul.